Bonjour l'ingénieur Cordon, Lucien Bocquité, quatre fantastiques. C'est autour de l'avancée de l'UPN Université. Qui doit être là, qui dit économie, ça parlerait d'un détail qui signifie systématique du milieu, écosse, la systématique de produits, le sous-sol, sol, nature, air, administration. D'ailleurs, signifie quoi? L'économie reste un secteur primordial pour essayer de s'interchanger. Prendre ce qu'on a ici comme sous-sol, on peut avoir du pétrole, on peut avoir du mazout, on peut avoir du kérosène à vendre à l'extérieur pour être dans la fixéité de prix. Parce que le donner, le recevoir crée le profiterole nationalisme. Sans économie, il n'y a pas de politique. Parce que celle-là, cette politique devrait être l'économie. C'est l'art de produire en grande quantité, prendre ce qu'on a comme marchandise manufacturée vers matière première en produit fini. Mais ça devrait être sous l'angle de la biconcavitionnalité, de la biconvectionnalité. Passer de A vers B, c'est la visectonisation, la PZ. Le marchandise de la République démocratique du Congo qui pouvait entrer à Brazza, sous-régional, Rotary, qui passerait l'Afrique vers le monde. Vous voyez par exemple, je donne un exemple de l'Asie qui nous envoie des riz. Hein, ici, c'est une grande locétentialité qui nous donne la vie de l'économie. Parce que éco, qui signifie système, mais plus lié à l'environnement. Le Congo avec 1 km² x 5, x 5, x 5, x 10, 2 millions 5, c'est moins 3, 8, 7, 5, x 4, 155 000 soustractionnisés dont 2 345 000, vous avez la RDC. C'est 2 500 000 km², moins 155 000 km², vous avez la République démocratique du Congo. C'est un problème d'interchange. Comment vous trouvez l'économie congolaise? Oh oui, est en ébranlure. Je n'ai pas aimé. Le pays plus doit quitter le monde de la distraction. Produire en grande quantité. Même les bananes, on peut vendre à l'extérieur. Commencez par nous aligner avec Cameroun. Kribi, quand vous y allez, vous trouverez des mesurages agraires. Il y a le bananeret. Le banane, on peut banane planter, on peut fabriquer des biscuits. Le banane proprement dit, on peut fabriquer de la confiture, on peut emboîter puis vendre à l'extérieur. Pourquoi pas? Même des boissons pour les gens qui prennent du whisky. Mais le Congolais aime trop des distractions. On va en découdre. Enfin, ça doit aller. De commun accord avec le. C'est le monde entier. Quelle solution vous pouvez proposer pour l'économie mondiale? L'économie mondiale, c'est l'interchange entre États. Alors, le continent qui produit plus est vanté. Le premier qui s'est développé, le premier, c'est l'Europe, par un courant de penseurs. Il y a eu des Albert Einstein, il y a eu des Ptolémées, le grec ont commencé, les Allemands, les Juifs, parce que nous sommes des jésuites. Les jésuites sont des prêtres catholiques, sociétés missionnaires de Jésus. Mais nous restâmes, que je vais vous dire, dans la promotionnalité de vanter Jésus sur de la théonomie en théodicée. Alors, mais j'impose les Congolais comme ils sont là. La distraction cette année, hein, on barre ça, on n'a pas besoin de trop de récréation. Nous devons déjà commencer à nous mesurer avec le pays qui nous entoure. Rwanda fait de l'élevage. Et Brazza vend le pétrole avec ELF. Université Marie Ngouabi, c'est bien navisé. Nous avons Gabon, vend du bois. Le Congo doit avoir des empreintes. On doit être le premier pays de vente de noix de cola. Devons vendre ça à l'extérieur. Alors, il faut récupérer tous les Yukudu, toutes les Yukudas, tous les Doukourés, des gens qui l'ont tenté de se promener le long des rues. L'année qui veut commencer, pas question ici. On met de l'ordre, ordre. Même les sachets ici, on doit les ramasser. D'ailleurs, bientôt, on va donner cours aux ministres, aux sénateurs, on va recycler tous les Congolais. Parce que le niveau... Oui, quasiment, ipso facto, grosso modo, le savant est dit malouti à mort des courses, parce qu'il y a l'agriculture, comme l'agrostologie,
La morphogenèse devrait toujours être utilisée, la pêche aussi intervient. Vous voyez par exemple en Afrique, il y a le Sénégal qui exploite la pêche, mais le Cameroun avec la bananeraie. Une bananeraie, comme des bananeraies, il y a des sauf-colcos, comme ici pour avoir la diète en Suisse. Ça demande que, quand vous êtes dans la capitale, on peut exploiter le fleuve. Le long du fleuve, on peut avoir des riseries, des rizières. Au lieu d'attendre les riz qui proviendraient de l'Asie, Thaïlande, tout ça, et puis la Chine. Premier pays producteur, ça. Nous devons voir des empreintes épigraphisonalisées sous cet angle-là. Quand nous regardons le Congo, il y a moyen d'avoir des collatérés pour trouver des noix de cola et puis extraire les produits de l'anesthésie. Les Congolais peuvent commencer par l'anthropométrie. Anthropométrie, le mesurage des capacités du quotient intellectuel de Congolais, Congolaises. Il y a des filles Congolaises. Par les choix du terrain ? Non. Les terrains qui devraient être en exercice. Mais il faut préparer l'homme. L'homme, s'il n'est pas passé par l'exercice de prépa, il serait dans la préparation et il ne ferait rien. Le rendement, c'est autour des profiteroles nationalisme. Faculté des droits, d'ailleurs, on va tout changer comme nom. Comment vous réagissez par rapport au maïs fourni par les Koulouna? Donc, avant-hier, c'était au marché des libertés. On a mis ça à 18 000 francs congolais. C'est bien bon. C'est bien bon, mais il faut que nous puissions utiliser le systématique d'un croubromie, la production en grande quantité. L'encroubromie, le yukudu et le yukudas, le doukouré. Oui, mais ce sont des gens de striptease qui. Oui, comme des Koulouna. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tous ces flibustiers devait nous apporter un plus. L'homme blanc est intelligent avant 1960, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de chômage. Message, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais? Oui, d'avoir un programme scientifique autour de. Ouais. Oui, mais oui. Très bien, écoutez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer par travailler par. Vous êtes incapable de remercier le gouvernement, monsieur Limon? Non, d'ailleurs, je suis le premier monsieur qui encourage le gouvernement. Oui, j'en parle. Oui, c'est bien bon, le président, félicitations, le premier ministre, très bien, le gouvernail, le gouvernement, la gouvernance, parce que ça soit même en province, le gouvernorat. Quand je parle des IP26, l'ABCDR politique, sans balivernant. Mais je vois la production intégrale de la RDC, c'est ça d'ailleurs qui permettrait à cette patrie, à ces républicanismes, à cette nation, à ces pays d'avancer, parce que nos sphères sont là. Il y a les mesures agraires que nous devons retransmettre, redynamiser, restructurer, politique de plusieurs années. Réhabiliter le Congo par, le premier point, d'abord développer les têtes du Congolais. Les têtes. Parce que. Avant, dit Malou, je rappelle, on parle de l'agriculture. Oui, mais l'agriculture, ben, c'est d'abord l'homme à côté des machines. Et comment ça se passe? Oui, mais l'homme, quand il est fort, toute personne pourrait se faire passer, toute personne se faire passer pour agronome. Mais il y a l'agriculteur et nous allons voir, il y a le agronome et agriculteur. Il y a une différence. Balancer le jargon pour les agriculteurs. Oui, un agriculteur d'abord, généralement, doit être dans la systématique de contrôle de la nature. Même chez les je voulais dire par là, si tu peux énumérer le mot qu'on utilise. Oui, il n'y a pas. Visectoniser, par exemple. C'est quoi? Étalonner, ce sont des nouveaux verbes que j'ajoute dans les dictionnaires. La visectonie, la pesée, deux L à la fin. La pesée. La pesée, autour même de la métrologie. Parce que c'est quoi? La pesée se balance. Ouais. Si nous avons des sacs de riz, ouais. Nous avons par exemple des sacs de cossettes de manioc transformés en féculents, en foufou, que nous devons vendre de l'intérieur vers l'extérieur comme de l'intérieur vers la capitale. Ces camions qui viennent nous ravitailler ici doivent être dans la systématique de la vigectonie. Même les gens dans les églises, au lieu de parler d'une tistanie, parlent de la vigectonie. La vigectonie. C'est-à-dire que vous allez vous peser entre quand c'est VBA, B,
céder pour avoir la classe d'équivalent. La vasectomie, mesurage de l'un vers l'autre, de l'une vers l'autre. Et vous faites ce qu'on appelle une rondelade même dans l'église pour contribuer à... Vous avez pu l'autre fabrique d'obtenir une idéologie. Vous faisiez quoi, le jardin? C'était le jardin pour votre potager? Oui, c'était un potager. Il est venu me voir parce que lui vit en Belgique. Il disait que vous êtes connu déjà dans le monde, vous êtes poète, vous êtes grammatologue, vous faites la vérité du Congo dans le monde entier. Alors, à la minute, j'ai composé un briefing qui devrait parler de quelqu'un qui va à l'étranger, mais qui rentre même lui en ruine. Un rancardiste aux aguets, mais sans fric, qui rentre avec son sac, mais il a fait 30 ans en Europe. Mais quand il rentre en République démocratique du Congo, propertisé sous l'angle de la haute pauvreté. Nous sommes en République démocratique du Congo et Dimalou combat énergétiquement la systématique bombée. Pas question ici. Et ensuite, cannabis, les diatos, les gens qui prennent des 312 et puis chanvre. En principe, ça crée le chiasme dans ce qu'on appelle le corps de Congolais, Congolaise. L'État doit s'affermir, doit trouver à créer des canaux, brigades autonomes communales pour essayer d'une manière ou d'une autre de mettre dans physique et tout ça, de mettre à côté. Parce que, primo, les gens qui en prennent vieillissent si tôt et dérangent leur santé, compte tenu des respirations pulmonaires. Parce que la composition de ces substrats, vous trouverez une grande part de résidus des tuyaux d'échappement. Vous voyez ce que ça fait? C'est comme des carbures, comme des chalumeaux, avec la systématique des produits purement toxiques et qui tuent les Congolais sans le savoir. Et d'autant plus lorsqu'on ne mange pas bio. Les anticorps affaiblis, et c'est pour cela que vous trouverez qu'il y aurait plus de taux de mortalité. Et la morphologie de ces gens, avec leur position de marché, leur physionomie, leur façon, leur pink, sans pidding, sans nutriments, les gens nous quittent si tôt. Vous ne voyez pas qu'il y a une bonne raison que les jeunes prennent la drogue bombée? Non. Non, non, non. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas ça leur problème. Nous avons notre État qui est là, qui doit éviter la forme d'acquiescement ou bien de britannisme. L'État, c'est notre papa. Nous avons que nous, par exemple, les grands médiateurs du monde, donner des avis qui conviennent au premier plan du travail aux Congolais, pour que les gens ne puissent pas aller d'une manière ou d'une autre s'enfuir dans des systématiques du sciatisme. Parce qu'il y a la déglution qui peut être là, il y a la dyslexie, il y a la dyschromatopsie, il y a la névrosine, plusieurs maladies qui dérangeraient leur sens des pensées. Et vous allez trouver que cette couche de personnes ne serait pas aligné chez nous pour avoir une raison, une habilité qui conviendrait. Un message pour tous les jeunes qui se sont lancés dans l'usage de la drogue. Oui, ils peuvent m'appeler sur 082-012-797-089-34-89-683-082-226-23-097-095-728 sur le Tokamak, sur le Savanestika, pour essayer de réélucider le Congolais, Congolaise, surtout les Doukourés, les gens qui ne parlent que de fertilité. Non, 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 ils peuvent m'appeler, qu'ils me demandent, qu'ils me disent s'il y a d'anomalie ou bien d'avantage, mais je ne pense pas. Ça conduit dans la morphosine. Je ne peux pas oser. Je ne peux pas. Non. J'ai besoin de la ville. Cette vie ne peut... C'est votre secret du Malou. Mon secret, c'est la divinité. C'est la théonomie sur, par, pour, dans la théodicée. La crainte de l'éternel démarrerait quoi ?
sur la conjoncturisticité, la conjoncturistique. Hein. Bombé, c'est l'apparence, l'apparat. Comment on peut se retrouver comme un fan? Vous voyez marcher ces jeunes de Bombay? Hein, ils sont vraiment comme des croupions de dinde. Ils sont comme des chimpanzés. Hein, il y a du phasage. Ils marchent comme ça, là. Bombay, bah, c'est comme de. Je dirais des dockers avec des sacs là derrière de manutentionnaires, de manutentionnistes, de gens de Paiload, de Elbas. Mais bon, nous allons lutter, dire à la République, dire au gouvernement, au gouvernorat, autour de leur gouvernance, que ça ne serait pas accepté. Même la cigarette devrait être réglementée au moins de 18 ans. Parce que sans modération, on ne se modérerait pas. Impossible. Hein, c'est une nuisance qui dérange la santé humaine. Et les Congolais doivent être sous contrôle, c'est pas en vain qu'il y aurait des brigades autonomes communales. Alors, il faut que l'État y veille, hein, parce que quand nous perdons pas mal de gens qui pouvaient bien servir le pays sur la main-d'œuvre comme telle, la Chine s'est développée en base de ça. Et souvent, le pays qui n'a pas de chômage n'a pas de chômage. Ça fait du bien parce que le travail reste accru. Bombay, pas en République démocratique du Congo. Les Smirnov aussi, les Ododou, les Smirnov. Les produits comme Diato, 312 et cannabis, qui dérangent ce qu'on appelle la santé hein, humaine. Mais le 19e siècle, le 3e millénaire, les objectifs du millénaire pour le développement, la congolexicomatisation, c'est déjà imposé. Des lois de marché propres aux Congolais, des Dimalou, SEM, savants et Dimalou entrepreneurial, ça parle d'autant plus des réalités du terrain. Et Dimalou ne veut plus voir les Congolais copier ce qu'ils ont déjà vu avant 1960. Ça n'a rien à voir par rapport aux actualités. Parce que l'histoire d'emblée n'a jamais développé le monde du moment. Ce qui fait passer un fief à un développement, ce sont des actualités de la concomitance sur pour dans la cosmogonisation. Ça veut dire quoi? Nous sommes deux pays assimilés à cette appellation de Congo. Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a la Russie, quand vous allez en Corée du Nord, Corée du Sud, une partie colonisée, un fief colonisé par les Américains, l'autre c'est par les Russes. Les Russes sont là avec leur tactique. Le premier pays qui a lancé la systématique des airs comme telle, hein, sur le plan de la conquête lunaire, c'est d'abord un Russe qui est Yuri Gagarin, mais il est perdu dans l'espace. Les Américains ont emboîté les pas. Avant, je vous rappelle l'importance de la congolexicomatisation. Quoi la Congo? Congo, c'est le fleuve. Les deux fleuves que nous avons, Chulong et le fleuve Congo. L'ex, c'est ce loi. Hein, l'ex dura, c'est le loi en latin grec. Oui. Market, c'est marché. Vous voyez même les sacs là. Congolexique. C'est-à-dire la cybernétique de sous-sol, sol, nature, air, administration. Ce que nous avons sur le terrain, c'est autour de cela que nous faisions des études. Mais vous ne pouvez pas aller copier des matières de Brazza par rapport à ce que nous avons. Ça ne cadre pas, ça crée une répugnance. Nous devons faire des recherches, nous devons avoir des bureaux d'études ici qu'on appelle des Tokamak, des Savanestika, des Postes d'Amisonique. Que moi-même je pilote. Moi-même je pilote ça. Donc vous avez un bureau d'études? Des bureaux d'études. Je suis en train de multiplier ça. Ça c'est trop. Maïcha Park. Maïcha Park, chez Betty Atalé. Hein, route des matériaux, 8-9. Betty Atalé, Esther. Vous pouvez même me voir sur 10, avenue Lubumbashi, Binta Pigeon, chez la dame Malou Lomingo Pressilien. D'ailleurs, elle est encore filles, hein. Absolument. J'ai trois informatiques de gestion. C'est la grande dame du savant. Trois femmes. Non, tout est sectorisé, tout est sectionné. C'est pas en vain que je parle de l'encroublomie. Je parle de l'encrocotacie. News, dirige, on connaît le quota compagnie. Nouvelle connaissance de recherche.
organisationnel quota compagnonné. Ça veut dire quoi? Deux camps, deux quotas. Je vais faire biconvectionnaliser ça. Les idiots, les idiotes doivent à tout prix être recyclés par les impétrants que nous sommes. Jamais dire un idiot s'imposer sur un homme intelligent. Nous voulons que la sélection passe d'emblée cette année. Congo, moins d'idiots, plus de gens qui doivent réfléchir. Le contraire, c'est un acabit. C'est une criminalité. Ce sont des lois, des marchés propres, adaptées aux Congolais. Même les cours dans des écoles, il faut que ça cadre avec la BCDR politique. Quelles sont les réalisations de la congolisation? Oui, la congolexicomatisation. Oui, la congolexicomatisation, c'est tout Congolais qui vous dira que... Oui, en fait, quels sont déjà les résultats jusqu'à ces niveaux, parce que vous parlez de ça? Oui, la congolexicomatisation, le plan d'études, les Congolais ont compris que jamais dire que j'ai terminé les études. Non. Il y a le verbe que je viens de lancer, oui, à visionnaliser. La oui, à visionnalisation. Oui, c'est passé par transiter. Il ne faut pas dire j'ai terminé les études. Non. Les études. Vous allez dire quoi? La oui, à visionnalité. Mais conjugué comme moi je dis. Je viavisionnise. Tu viavisionnise. Je viavisionnise. Tu viavisionnises. Okay. Nous viavisionnisons. Vous viavisionnisez. Il viavisionnise, passe par et puis il continue. Donc, c'est-à-dire, j'ai terminé. Non. Vous devez être dans les 5 au carré. En principe, 25 doctorats, vous ajoutez 10 vous qu'on appelle. À haut niveau là. Haut niveau, c'est les tout. On impose ça. Vous pouvez répéter. Je viavisionnise. Quel verbe est là? Verbe viavisionniser. Via, c'est passé. Vision. C'est-à-dire, je passe, mais je continue notre vision. Passer par. Via. Passer. Au plus que parfait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Plus que parfait. Que je vis à visionnasse, que tu vis à visionnasse, qu'il vit à visionnasse, que nous vis à visionnation, que vous vis à visionnassiez, qu'il vit à visionnasse. Que, c'est le subjonctif, il faut commencer par que. Et le verbe doucaner, vous en faites. Non, doucou rationaliser. Okay. C'est-à-dire l'ignorance, le gens qui. Oui, doucouré, d'abord, un doucouré, c'est autour des caractéristiques de l'idée d'être. Un doucouré, c'est un substantif, un idiot. C'est okay, un doucouré. Okay, un doucouré. Une doucourasse, une fille qui ne connaît absolument, une étourdie. Mais, un you, koudou, en anglais. Toi, tu viens d'où? En kilote, en train de te promener. Un you-koudou. Une yukoudasse, des cordes aux pieds, bijoux là-bas, partout. Oh, j'attends les baskets, les sauts. Elle ne parle que de futilité. Une fille yukoudasse, en anglais, you, Y-O-U, yukoudou. Mais dis-moi, nous sommes en 2021. Quels sont les nouveaux verbes que vous avez lancés? Valabaté, c'est grimper. Valabaté. C'est quoi valabaté? Boutamé, s'incliner. Vigeftonisé. Pesé, étalonné dans la métrologie. Il y a les verbes verzinginiser. C'est-à-dire, c'est déplacer. Les déplacements, c'est le verzingen. C'est le déplacement. Je passe, je prends mes biens, je vais me verzinginiser, je vais me déplacer. De Saint-Jean-Lingua, je vais à Dendal, à Kassavubu. Je vais me vers, passer par. De A vers B. C'est une biconcavisionnalité. C'est une biconvexion. Voilà, des termes quoi. Que les Congolais doivent boucouter. Boucouter, c'est manger avec appétit. Je crois que j'ai dit. Merci beaucoup. Ça c'est